Bon matin, on est lundi le 13 mars. Là, bébé Charles est en train de boire. Puis, je viens de recevoir ma commande Amazon. Fait que je suis vraiment trop contente. Sérieux, ah, mes lunettes, ils gossent, ils descendent tout le temps. T'as une minute. Bon, parfait. Fait que c'est ça. Mes lunettes, ils descendent, là. C'est fatigant. Faudra peut-être que j'aille les faire ajuster là, au magasin où je les ai achetés. Mais bref, c'est ça. Fait que là, je viens de recevoir une commande Amazon et je suis vraiment contente. Je te montre ça tantôt, dès que Charles a terminé de manger. Bon, il est rendu 10 heures, puis là, je veux te montrer qu'est-ce que j'ai reçu en fait ma commande Amazon. Je ne l'ai pas reçue au complet. Dans le fond, il va manquer quelques petites choses encore. Mais c'est ça. Bref, je te montre ça direct là. Dans le fond, j'ai commandé des oreilles pour Charles parce que là, on va à Cabane à sucre pour cet été aussi, à Saint-Jean, pour les feux d'artifice et tout. Puis il y a comme des petits bouchons aussi. Fait que bref, on va essayer ça avec bébé Charles. Voyons, c'est fait. Bon, ça, sérieux, j'ai tellement hâte de l'essayer là. C'est genre un, comment dire? Bref, c'est un truc pour. Attends, c'est-tu la bonne affaire? T'as une minute. Je vais l'ouvrir avec toi parce que je suis comme pas certaine que c'est la bonne affaire. Ils vont t'envoyer la bonne affaire. Ah ben oui, c'est la bonne affaire. Ok. Fait que dans le fond, c'est une genre de ceinture. Je suis en train de tout péter là, parce que je l'ouvre pas comme ça. Bon, c'est une ceinture que tu te mets. Ah ouais, ok, c'est la bonne chose. Wow, merveilleux. Fait que c'est une ceinture que tu te mets alentour du ventre pour l'entraînement. Puis dans le fond, ça va me permettre là, de raffermir mon ventre puis d'avoir encore plus chaud au niveau de mon ventre quand je vais faire mon workout. Fait que là, présentement, je te dirais que ça fait une semaine que je m'entraîne plus parce que je me suis blessée la semaine passée, mardi. Fait que là, j'ai besoin d'un break au niveau de mon ventre, là. C'est ça, je me suis blessée, là, c'est moi la nounoune, là. Mais bon, je vais épargner les détails. Fait que bref, tout ça pour dire que quand je vais pouvoir recommencer à m'entraîner, je vais pouvoir l'utiliser. Fait que j'ai vraiment hâte pour vrai de voir si ça va comme me donner chaud encore plus au ventre. On va voir, je vous en donnerai des nouvelles. Après ça, bon, les autres petites choses, c'est genre des trucs pour mon tire-lait, là, genre rien de palpitant, là. Fait que dans le fond, j'ai un tire-lait électrique Medela Swing simple. Fait que il me fallait des nouveaux morceaux parce que l'autre fois, j'ai échappé ma bouteille de tire-lait avec un morceau à terre. Puis dans le fond, je pense que ça l'a brisé parce que depuis, il y a comme une perte d'air, puis ça tire pas bien mon lait. En tout cas, bref, j'ai commandé. J'ai vraiment de la misère à ouvrir les boîtes. Fait que j'ai commandé d'autres morceaux dans le fond, juste pour mon tire-lait, là. Fait que ce morceau-là. Après ça, j'ai commandé d'autres morceaux comme ça ici. J'ai recommandé aussi un nouveau fil parce que là, le fil que j'avais actuellement, je pense que c'est lui qui est comme brisé. Fait que d'après moi, ça va mieux tirer avec un fil qui est neuf. Parce que j'ai acheté mon tire-lait usagé, genre sur Marketplace. Fait que ça, j'en ai trois comme ça. Je vais te montrer. C'est des bouteilles justement pour mon lait. Fait que pour le mettre au frigo, là, une fois qu'il est tiré. Fait que c'est genre des bouteilles bien normales, là, pour mettre le lait, là. Fait que j'ai pris des grosses comme ça trois fois. Puis, j'ai besoin aussi des plus petites. Dans le fond, les plus petites, c'est pour quand je tire mon lait. Puis les plus grosses, c'est pour une fois que le lait est froid, dans les petites, ben tu sais, je peux comme mettre deux petites dans une grosse. Fait que tu sais, je peux amener ça. Tu sais, c'est ça. Fait que bref, j'en avais besoin de trois comme ça, puis trois comme ça. Fait que c'est ça. Fait que je vais ranger tout ça, puis après ça, je vais m'occuper de la vaisselle parce qu'il y en a en tabarouette.
Bon, il est rendu 4h40, puis là, on vient de sortir de notre rendez-vous avec notre nouvelle comptable. Fait que je suis vraiment trop contente, sérieusement. Vraiment trop contente. Service impeccable. J'y ai fait répéter comme quelques fois là, des petites choses que je comprenais plus ou moins. Elle a full pris le temps comme de répéter et tout. Fait que c'est ça. Je suis vraiment très satisfaite d'avoir trouvé cette nouvelle comptable-là. Là, mon chum, il est parti chercher un sachet pour faire des tacos. C'est ça, à matin j'ai fait dégeler la viande hachée, mais il nous manquait un sachet là, pour faire des tacos justement. Fait que, excuse-moi, il y a des gens qui passent autour, fait que ça m'a déconcentrée. Mais c'est ça, fait que là, mon chum est allé chercher un sachet pour faire des tacos. Comme je disais, j'ai fait dégeler la viande à soir, fait que à matin. Fait que ça y va juste pour rester comme les piments à couper, puis genre. Merci, bonsoir. Un repas super rapide à faire. Puis il va nous en rester pour les lunchs demain aussi. Fait que c'est vraiment parfait. Bon matin, il est rendu 9h, on est le lendemain matin, puis là je me suis fait un jus de licorne et je m'en vais faire un gros bloc de travail. J'ai énormément de linge à plier aussi aujourd'hui, mais surtout un bloc de travail vraiment important concernant mon travail d'entraînement. Parce que là, c'est ça, j'ai une présentation que je fais habituellement pour présenter aux gens comment que je fonctionne et tout là, sur ma plateforme d'entraînement. C'est pas clair mon affaire. Dans le fond, quand les gens sont intéressés à prendre l'information sur combien ça coûte, comment ça fonctionne, t'as combien de programmes d'inclus dans ton abonnement et tout, ben c'est ça, je présente un webinaire, mais là l'affaire qui arrive c'est que mon webinaire il est vraiment plus, comment dire, pour les femmes je dirais. Puis là il y a des hommes qui sont intéressés aussi sur ma plateforme d'entraînement, puis pour vrai la plateforme est autant faite pour des femmes que des hommes. Fait que je veux créer un webinaire aussi. T'sais, dans le fond, deux webinaires différents. Fait qu'un pour les femmes, un pour les hommes. Fait que là, aujourd'hui, je veux vraiment travailler là-dessus. Fait que c'est ça le planning. Puis là, Charles, j'essaie de le coucher pour une sieste, mais à chaque fois que je le dépose, il se réveille tout le temps. Il dort bien dans mes bras, mais déposer, c'est autre chose. Bref, des fois, ça fonctionne super bien. Des fois, ça fonctionne pas bien pantoute. Des fois, je reproduis la même chose que la veille, qui a bien marché, puis le lendemain, ça marche pas. Fait que je réalise vraiment que c'est pas parce que tu fais comme certaines choses d'une routine que ça fait que ça fonctionne bien, parce que le lendemain, tu le réessayes, puis ça marche plus. En tout cas, bref, c'est bien difficile à suivre, là. C'est comme pas... le sommeil, hein, d'un bébé, c'est ça. C'est difficile à suivre. Fait que là, je me répète vraiment beaucoup. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, ça va être vraiment du travail à l'ordi, du pliage de linge, puis comme une petite journée bien relax. Il fait vraiment pas beau dehors, sérieusement. Typiquement hiver, là. Ouais, il y a comme la petite brune. Comment on dit ça? Brune. Bref, genre de l'eau mélangée à de la neige. Tombe un peu, c'est vraiment dégueu. On a hâte à l'été, j'ai vraiment hâte à l'été.
Je vais être une mom. Je vais aller chercher mon petit coco qui pleure, qui s'est réveillé. Ça fait littéralement 2 secondes qu'il dormait. Je vais aller essayer de le rendormir et de le recoucher pour une sieste parce que mon bébé ne dort vraiment pas beaucoup. C'est très difficile les siestes. Fait que, en tout cas, je vais essayer d'aller l'endormir et le recoucher. Bon, il est rendu 1h30, j'ai littéralement eu le temps de rien faire pantoute. Fait que c'est ça, mon petit amour est juste ici avec moi en bas, mais il me laisse rien faire. Fait que c'est ça, il veut vraiment les bras, il veut téter, il veut pas faire dodo dans sa bassinette. Fait que bref, je vais essayer d'avancer mes choses, mais là pour l'instant j'ai vraiment eu le temps de rien faire. Puis déjà 1h30. Fait que c'est ça, parce que travailler avec ce petit bébé-là d'amour... c'est pas évident, mettons. Fait que là, mon chum est sur le point d'arriver. Fait qu'il va prendre le relais avec Charles pour que je puisse avancer quelques petites choses. Mais tu sais, c'est sa poussée de croissance de 3 mois. Hein. Fait que je me pose pas de questions, là. Je le sais que c'est ça, là. Fait qu'il veut juste boire, boire, boire. Puis tu sais, c'est normal, là, justement, il grandit. Fait que ça y prend du lait pour grandir. fait que c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça, fait que là, je vais essayer, vu que là, il est tranquille, il tète ses doigts, mais c'est pas parce qu'il a faim, hein, parce qu'il vient de boire, là, pendant, genre, vraiment longtemps, puis comme, c'est pas parce qu'il a faim, il commence à têter ses doigts vraiment, comme pour jouer avec, là, je sais pas trop, là, découvrir sa bouche et ses mains, fait que voilà. Bon, alors, il est quelle heure, dans le fond? Bon, est là, bébé. Je pense qu'il est 5h30. Oh shit! 5h55 quand même! Donc ouais, déjà 6h. C'est fou comment le temps passe vraiment vite pour vrai. J'ai mon petit coco là qui veut boire du lait, fait que je vais me dépêcher. Mon chum est en train de faire le souper. Fait que on mange saucisse sans produits laitiers avec brocoli et je vais montrer le paquet de ramen. L'énorme paquet de ramen. Fait que voilà, on va mettre un petit bouillon de bœuf là-dedans, ça va être délicieux. Puis c'est ça, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Puis aussi, il fait des beaux petits muffins, j'aime des faire que ça se gâche toute la cuisson. Ouais, dans le fond, ils n'ont pas l'air beaux, mais ils vont être très bons par contre. Bon matin, on est rendu le lendemain matin, puis là, je viens de finir de m'aplatir les cheveux. Je me suis fait une couette juste pour me nettoyer la face et pour me maquiller. Fait que c'est ça, il est 9h, fait que je suis en train de me finir de me préparer. Je travaille de la maison encore aujourd'hui, comme toujours en fait. c'est ça, donc là, je travaille juste sur mon entreprise d'entraînement. Donc c'est ça mon emploi, je fais vraiment comme aucune autre chose à côté. Avant, je faisais des petites choses à côté des fois et tout, mais là, j'ai décidé de me consacrer à 100% pour mon entreprise d'entraînement. Fait que j'ai bébé Charles ici juste avec moi, puis là, c'est ça, je vais finir de me préparer pour aller travailler en bas, dans le fond, avec bébé Charles, parce que c'est ça, j'ai pas de garderie encore, tu sais, il y a juste 3 mois non plus, j'ai pas envie de l'envoyer en garderie, en fait. Fait que on avait une rencontre avec une garderie aujourd'hui, mais finalement...
Elle a un imprévu, là. Bref, il est arrivé une mésaventure à un membre de la famille. Ils sont comme à l'hôpital. Bref, c'est vraiment une grosse affaire. J'espère que tout va bien aller pour eux. Je leur envoie tout mon amour. Fait que c'est ça. On a juste recédulé à plus tard la rencontre. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment contente parce que j'avais beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Je veux juste allumer une lumière de plus. Fait que c'est ça. J'avais vraiment beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Fait que je vais me concentrer là-dessus à place, puis de toute façon c'est reporté là, fait que j'ai vraiment hâte par exemple de la rencontrer, d'aller rencontrer les amis là-bas, de voir la garderie, ça ressemble à quoi et tout, parce que tu sais, c'est ça, on veut toujours envoyer nos petits cocos dans des bons endroits là, tu sais, moi clairement que si ça fonctionne pas bien avec la madame, tu sais, je l'enverrai pas pour l'envoyer à la garderie là, tu sais, je veux vraiment que ce soit un bon fit, qu'on s'entende bien, moi et elle. T'sais, que la place ça soit propre, que ça soit beau. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment important pour moi. Fait que c'est ça. Je vous laisse. Puis je te laisse. J'essaie de parler au-dessus. Là. C'est pas toujours facile parce qu'avant, quand je faisais mes vlogs, je disais toujours vous. Mais là, j'essaie d'introduire le tu, le toi. Fait que c'est ça. C'est une nouveauté qui est longue un peu là, à instaurer dans mon cerveau. Fait que on se revoit plus tard. C'est ça, je vais me maquiller, pis tout. Bon, il est rendu 11h45, j'ai mon petit coco juste ici avec moi. Puis là, je viens de recevoir des colis Amazon. Fait que je suis bien trop contente, c'est ce que j'attendais avec impatience en fait. Charlie dormait, fait que évidemment, ça l'a réveillé. Mais bon, c'est pas grave là. J'avais pas prévu le coup. J'ai oublié de mettre genre une petite affiche là, qui dit genre ne pas sonner, ne pas cogner là, genre. Mais bon. Fait que je vais juste vous montrer ça au collège. Bon, tout va bien. J'ai failli échapper les paires de ciseaux sur mes orteils. Je sais pas où vous mettre, là. Hey boy. Ouais. Non, pas là. Bon, ça se fait même. Ouais, ça le fait. Bon, fait que voilà, voilà. Je vais ouvrir ça. Sérieux, je sais même pas si j'attends d'autres choses. J'ai comme oublié. Parce que quand on commande, tu sais, ça l'arrive en... Charles, il me regarde puis il sourit full. Il aime tellement ça, genre, quand je parle, là. Il est trop cute, là. Fait que c'est ça. Fait que ça l'arrive comme en plusieurs chocs, là. Ah oui, toi aussi, tu veux parler. Oh! Wow! C'est déjà arrivé! Oh, mon Dieu! Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. C'est mon chum qui a commandé ça. Fait que un Chromecast, genre, je capote. Wow! Voir qu'on l'a déjà reçu. Ok, je vais mettre ça précieusement. C'est ça. Je vais juste vous installer ailleurs. Parce que là, vous êtes installé sur l'autre collier à mon long. On va y arriver. Bon. Je vais juste mettre la boîte. Comme ça. J'espère que c'est mes biberons Como Como, sérieux. Parce que là, Charles va se faire garder bientôt. Puis pour le faire garder, hein, évidemment, il faut que la personne ait une façon de le nourrir. Fait que, hey, pour vrai, j'ai de la misère avec mon sel, il tient pas nulle part. Bon, ici, ça devrait tenir. OK, fait que c'est ça. Il faut que la personne ait un moyen de le nourrir. Hein. Elle a pas des seins pleins de lait, la personne qui va le garder, pendant que moi, je serai pas là. Fait que là, pour l'instant, on a des Como Como qui sont comme petits. Fait qu'ils contiennent genre maximum 5 onces. Ah oui, c'est les Como Como! Ah, je suis beaucoup trop contente! Fait que j'en ai 4. J'en ai commandé 4. Ils sont juste tellement beaux. Genre, je capote bien raide pour vrai. Je capote, j'avais tellement hâte de les recevoir, là. Fait que, ouais, c'est les Como Como comme ça. Ils les adorent. Ça ressemble vraiment à la forme du sein, là. Fait que pour les bébés qui sont allaités, c'est clairement les meilleurs biberons, là, je crois. Fait que je vous montre ça. Parce que c'est ça, tu sais, il est rendu grand maintenant, là. Fait qu'il y avait besoin, genre, d'un biberon plus grand que ça, là. On s'entend?
Parce que là, un 5 onces, c'était pas suffisant pour monsieur. Fait que je tire mon lait dans le fond, là. Fait que là, j'ai enlevé le petit couvercle. Fait que ça, je tire mon lait, puis on lui donne au biberon comme ça. C'est vraiment bien parce que c'est comme tout genre mou, puis la tétine, sérieux, elle ressemble vraiment à mon sein, là. Fait que c'est ça. Ah, oh, je suis vraiment trop contente pour vrai, là. Waouh! On va pouvoir les tester ce soir, là. Fait que c'est ça, je tire mon lait dans le fond. Puis je les mets au frigo. Moi, je congèle pas, là. Fuck off, là. Fait que, mettons, je marque, genre, la date avec l'heure. Puis je les mets au frigo. C'est bon quand même longtemps au frigo, là. Pas 3 semaines, là. Mais, tu sais, mettons, comme là, j'ai tiré ce matin. Fait que je marque 15 mars à 6h30 AM, genre. Fait que, voilà! Je suis vraiment contente! Bon, il est rendu 7h, puis ben presque, là, Charles est en train de boire du lait. Je m'en allais lui donner un bain, mais là, il avait faim, fait que il donnait un bain quand il a faim, c'est pas une bonne idée. Fait que là, c'est ça, je vais lui donner un peu de lait. Après ça, je vais lui donner son bain. Après ça, je vais lui redonner du lait. Et ça va être pas mal le dodo. Il est pas 7h, là, il est presque 7h. Il est 6h45. Fait que c'est pas mal ça, là. J'ai préparé toutes ces petites choses, je te montre ça. Je te montre ça en même temps d'allaiter. Ouais, fait que c'est ça. J'ai amené toutes ces petites choses, son petit cache-couche, ses bas. Là, excuse-moi pour le bruit, c'est mon chum qui revient dans 4 roues. Fait que c'est ça, ses petites couches et tout. Je vais couper les ongles aussi, là. J'ai amené son petit coupon. Puis j'ai comme une petite table ici pour mettre son petit tapis à langer. Ça fit à la perfection, là. Genre, ça l'arrive flush, là, ici. Puis l'autre bord, fait que c'est vraiment super pour l'instant. Fait que c'est ça, tu sais, pour les premiers mois de vie d'un bébé, c'est vraiment parfait parce que là, dans la salle de bain, tu sais, on s'entend que une fois qu'il est sorti du bain, j'avais comme pas envie de le pogner puis de l'amener dans sa chambre. En plus, il fait vraiment froid l'hiver dans sa chambre plus que dans le reste de la maison, vu qu'elle est comme éloignée un peu, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, je peux pas comme ouvrir la porte non plus, tu sais, je veux vraiment pas qu'il soit malade, là, non plus à cause de son bain. Ça serait calme. Fait que là, on change ici et tout. Puis la petite table, elle se plie. Puis on la range en arrière de notre bain. Je te montre ça. Fait que là, on la plie puis on la met en arrière du bain. Fait que ça paraît pas du tout. Je te reviens. T'es à côté sur mon petit tas de linge sur le comptoir. Fait que c'est pas mal ça. Je vais conclure le vlog ici. J'espère vraiment que t'as apprécié ce vlog-ci. On se revoit très bientôt dans un nouveau vlog. Fait que ça a été une journée quand même assez intense, là. Tu sais, je veux pas travailler en même temps de la maison, en même temps de s'occuper de son petit bébé. C'est vraiment... c'est pas évident, là. Tu sais, c'est pas impossible, mais c'est pas évident, par contre. C'est pas facile. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand je l'allaite, je peux travailler, oui, mais, tu sais, techniquement... c'est ça. Allaiter, ça demande beaucoup de concentration. Faut que je surveille pour pas qu'il s'étouffe et tout. Fait que, tu sais, non, c'est pas vraiment possible. Il boit vraiment souvent aussi. Là, il est dans sa poussée de croissance de 3 mois. Il va avoir 3 mois samedi. Fait que je capote. Ça passe tellement vite. Donc, sur ce, moi, je te laisse. Je te souhaite une bonne soirée. Moi, c'est ça. Ça va être une petite soirée relax. Mais je vais travailler, en fait. Fait que relax à moitié. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire encore, fait que je vais peut-être clencher quelques petites tâches ici et là. Puis après ça, ça va être pas mal le dodo. Donc moi, je te dis tout de suite au revoir. On se revoit dans un prochain vlog. Bye!